on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Dark Souls 3. Donc on va tout de suite continuer dans les sépultures oubliées. Une autre zone annexe également, mais qui peut avoir son importance dans le jeu. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Et on va tout de suite continuer. Donc juste pour prévenir aussi, cette zone là c'est la zone I. C'est exactement la même zone que la zone du début. Bon bien sûr avec d'autres mobs hein, mais... Non, c'est pas fun. L'anneau d'Estus cendre, cette fois-ci, c'est pour les... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai même pas vu les autres anneaux que j'ai eu. Ouais. Donc normalement on devrait faire la zone entière dans cette vidéo. Ou une grande partie en tout cas. Oula oula, où tu te calmes. Oh là là. Je suis nul hein. On peut mourir sur ça. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Non, pas encore. Là, c'est reparti. Voilà. Allons par là-bas, vu que normalement, si c'est exactement la même... Ah non, c'est pas la même. Non, après, rien, même pas de stuff. Ouais. Mais si, c'est exactement la même zone, parce que j'ai pas pris le chemin que je voulais prendre. Hein. Ok, yo. Alors le boss là, celui-là qu'on va faire, j'ai cru comprendre qu'il était assez difficile quand même. Bon bah on va essayer de se le faire mais on va bien voir. Tablette de titanium dans cette zone serait le bienvenu. Hein. Alors c'est là-bas que je voulais aller.
Ça sent le pâté, hein. Oh mon Dieu. Voilà. Ça va, ils étaient que deux. C'est pas la mort non plus. Oh, même pas d'item. Même pas d'item, oh là là. Donc, on va dire. Ah, ma gorge, désolé, hein. C'est un peu bizarre, mais bon. Allez, on y va. T'allais dire que j'ai trop de fragments d'estusques. J'aurais jamais cru ça possible. Donc on s'approche vraiment de la fin du jeu là, je vous l'annonce. La fin du jeu est très très proche. Voilà, bravo. Bravo Michel. Oui, c'est moi. C'est Michel. Je croyais qu'elle allait me faire des dégâts avec son couteau à beurre. Il n'y avait rien. Ouais, faut pas que j'oublie d'aller prendre l'objet là. Comment ça, je l'avais pas touché là? Bénédiction secrète. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Oh ouais, nice. J'aime bien ça. Allez. Ah, le maître épéiste. J'espère que t'es plus fort que quand je t'ai battu, hein, mon gars. Si je ne me trompe pas, le nom de ce boss c'est Gundyr, comme je m'en doutais.
Mais il est pas content. J'ai cru comprendre qu'il était dur, mais il a l'air assez facile, hein. Ok, bah first try, hein. À chaque fois ce bruit à la fin, je pense que c'est chez moi, mais non, pas du tout. Allez. Donc je pense que cette vidéo ce sera juste la zone complète, hein, c'est tout. Au moins vous voyez un peu comment accéder à toutes les zones. Non, il n'y a plus qu'un. Il reste juste un seul boss que je crains un peu, on va dire. Et non, c'est pas le boss de fin. Donc là, il n'y a que des chevaliers d'Artorias, pratiquement. Alors, voyons voir comment on va se les faire. Bon, ça va. Bon, ils ont pas de vie. Pourquoi je m'en fais autant? Voilà pourquoi je m'en fais autant. Ah là 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 là, voilà. Ouais. Bon, je joue toujours ce bug, hein. Je sais pas comment ça se fait que j'en ai 99, mais bon. Ça a l'air de rapporter ma somme, tiens. Elle m'a l'air plus courte quand même que la zone du tuto, hein. Il manque des zones. Enfin la zone du tuto, voilà quoi. En tout cas ce qui est bien c'est que tout est relié. Ah je suis fort moi. Allez ciao, à plus. Plus en plus. La lame du chaos. Tiens, tiens, tiens. Merci au maître épéiste de venir en aide. Pour Gundyr.
m'a bien aidé, je trouve. Pas du tout. Il a pratiquement rien fait. On voit tellement. Tellement que dalle. Hein. L'anneau du frelon. Si je ne m'attends pas, c'est un bon anneau. Ouais. Pas si bien que ça. On va explorer la zone entière. Hein. Regardons déjà pour les hauteurs. Il va y avoir des abysses. Les Death l'exilé. Well, fancy a lost lamb. Well, thou should. What can this to skirt the tarry not? Is dark for now, and not a. Or perhaps thou cat like the poor. Ah oui, il achète. J'achète et j'équipe. C'est un meilleur set que le mien, je crois. Ouais. C'est quoi le nom? Chevalier loup. Stylé, non? Je cherche tout, hein. Il faut absolument tout fouiller. Oui, c'est un ennemi. Mais ce serait pas les yeux de... Comment elle s'appelle? De celle qui font les miracles. Hein. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Nice. Doit forcément avoir quelque chose d'autre, non? Ah, ils auraient pu au moins remettre le message. Oui, il doit forcément avoir quelque chose, c'est pas la fin. Bon, on a déjà eu les yeux de la gardienne du feu, c'est pour avoir une des quatre fins, mais. Mais je l'utiliserai pas. Oh, il y a quelque chose, ouais. 100%. Alors, est-ce qu'il me donne quelque chose, lui? Ça fait deux graines de géant. Ah, il a pas mis l'échelle. Oh, il n'y a même pas la tour. Ok.
Quel dommage. Ok, y a rien d'autre, on dirait. Voilà. Bah voilà. Ok, bah on s'arrête là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous ferons la suite de c'était quoi déjà? Du chasseur de dragon, l'armure du dragon, je crois, je ne sais plus trop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZDead pour la chaîne Team HD. Passez une bonne journée, bonne soirée et vive les jeux vidéo.